Assassinat professeur Montferrier d'Orval, mobilisation étudiante à la faculté de droit sciences économiques qui ont terminé depuis quelques jours pour demander justice pour bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince ou à Para poursuivre étudiants et en bas bannière mouvement la vie pour tout le monde annoncé deux journées de mobilisation pour porter plainte avec solidarité pour mercredi 16 l'an avec une marche pacifique jeudi 17 septembre qui a venu là et un mouvement qui portait dans opération bout de terrain et dénoncé diverses actes répression et intimidation étudiants n'ont pas subi parce qu'il n'y a pas dit non à ce phénomène de sécurité. En côté, il y a un responsable, Paul Kenel, La Rochelle, qui est dans le micro, Garline Maurice. Nous-mêmes, là, avec tout le monde côté, qui monte au mouvement pour demander justice pour professeur nous Montferrier d'Orval, pour demander justice pour camarade nous Samuel Milkal, pour demander justice pour moun belé yo que boule kayo yo tire yo mettre dans la rue. Nous même nous dit que après tout zak intimidation, zak raponay, zak maspinay que y a fait sur nous, nous dit que bata la pa camper, li fait carré en main. Nous voyons appel à la population haïtienne pour dire que bon opération que un secteur non binational là a mené opération ça qui est l'opération Babouquette côté yo dit que moun citoyen paisible dans pays a qui frustré qui gère revendication yo pas gen droit parler dans pays encore depuis yo parler y a tiro yo dit que yo même qui gen zam yo même qui fait violence dans pays a c'est yo qui l'état c'est yo qui roi c'est yo qui bon dieu nous pas gen droit parler nous même nous dit yo moun qui pensait que opération Babouquette yo a ka retirer toute bataille que peuple haïtien te bataille pour arriver jusque là bataille 1804 là bataille 86 quand on te dit que nous gen droit vivre tant que moun faut que respecter la vie nous lancer nous même peuple haïtien nous même citoyens qui frustré par rapport à l'état ça par rapport à modèle société ça qui pas respecter la vie moun par rapport à société ça qui mettait nous dans situation d'esclavage nous lancer une opération bout de terrain quand on a dit tout le monde qui pensait que yo ka fait zak répression sur nous que yo ka intimider nous côté y a menacer nous yo dit que y a fait nous poser y a fait nous être tranquille nous même nous lancer une opération bout de terrain côté n'a dit que nous n'ont droit nous pour demander justice nous n'ont droit nous pour dire ba insécurité nous n'ont droit nous pour dire que ba impunité yo même ce qui droit ce qui base yo même yo dit que nous même nous pas gain droit revendiquer dans pays là c'est pour être ça. C'est même ça. Nous lançons une mobilisation manche longue à tout le monde qui a fait des stratégies de corruption. Quand vous avez un bas en bas, quand vous voulez courir faire funérailles, professeur Montferrier d'Orval, pour casser feuille, couvrir ça, pour casser dossier. Nous même nous disons comme ça que pas qu'à des funérailles, professeur, sans que auteur matériel, auteur intellectuel, yo pas en bas contre la justice. Pas qu'à des funérailles, professeur Montferrier d'Orval, quand l'État lui-même n'est pas montré une volonté pour le sous-école, une volonté pour mettre fin à l'insécurité dans le pays. Entendez, on a annoncé en termes de professeur vendredi. Ça signifie que le professeur a gagné une justice. Nous-mêmes étudiants, nous disons, nous pas nos affaires funérailles Chango ça, nous pas nos affaires funérailles Degren Gauche ça, nous pas nos affaires funérailles Mafia ça. Nous disons que faut que la justice fait lumière sur le dossier. Maintenant, Montferrier d'Orval, il n'est pas appartenu à un groupe de monde, il n'est pas appartenu seulement à la famille. J'ai entendu la bonne mourir, il appartient à pays. Et tout pays a doit revendiquer pour une justice. Nous-mêmes, nous campons en foi contre l'enterrement marché pressé ça pour professeur par une justice. Demain, nous disons population haïtienne, venez dans la cour de droit, côté n'a lancé deuxième journée de porter plainte. Et nous-mêmes, nous avons proposé tout le monde qui subit à bien dans le pays. Tout le monde qui passe en bas, machine de sécurité pays, vient porter plainte pour le peuple lui-même ériger dans le tribunal populaire parce que si l'État dit il n'y a pas de justice, si l'État dit nous n'avons pas de la justice, nous-mêmes, peuple, nous érigeons dans le tribunal populaire pour nous juger tout vagabond, tout bandit qui pense que c'est l'État de pays. Et nous annoncer, je dis, la grande marche, quand nous-mêmes, peuple, nous avons pris direction PLRSF. Nous disons tout le monde, nous mettons chemise dans le pantalon, nous mettons maillot dans le pantalon pour nous montrer que nous même pas des âmes. Si vous avez des individus qui ont des âmes, qui ont des moutons pèlerins, vous avez un temps pour tuer les professeurs, vous avez un temps pour ramasser les douilles, vous avez un temps pour aller, ce n'est pas nous même citoyens paisibles qui après vont dire que nous avons des justices pour tout le monde dans le pays qui va nous monter. Nous disons jeudi, nous lançons la grande marche, tout le monde, maillot dans le pantalon, chemise dans le pantalon, demain nous allons, nous allons prendre tout, nous allons monter pèlerins.
Funérailles bâtonnées de l'avocat Port-au-Prince, sommet Montferrier d'Orval qui était prévu pour fête vendredi 18 septembre 2020 pour fête dans plus grande intimité. C'est sa famille défunt annoncé dans une note yo bété de yo hier. Famille qui présentait remerciements à la Catherine Silayo qui était exprimé affection et sympathie dans circonstances assassinées. Maître Montferrier et d'Orval, famille a profité pour annoncer tout le monde funérailles la fête dans intimité pendant. Yo fait qu'on ait été ouvert à tout le monde qui gagnait intention rendre hommage à l'ancien président, à l'ancien bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince. Toutefois, il a souligné qu'il n'a pas toujours été accroché à respect décision. Ça qui a fait dans le niveau barreau Port-au-Prince, est-ce que l'activité qui était prévue n'a pas toujours fait? Nous gagnons direct avec nous, secrétaire barreau Port-au-Prince, avocat Port-au-Prince, on a parlé de. Maître Robinson Pierre-Louis, qui est en même temps secrétaire général Fédération Baroyo. Cher maître, bonjour. Bonjour, Jussel. Bonjour, tout auditeur national. Eh bien, on note, en tout cas, Baroua mettait dehors pour annoncer que yo au courant de décision famille en prend, mais ça n'a pas empêché gagner des activités que nous prévoit, qui a toujours réalisé. Oui, bien sûr, c'est qu'il y a pile discussion, parler, instant échange, pour nous chercher, puis bon façon, pour nous honorer mémoire à M. Doval. Et nous connaissons dans qui condition assassiné M. Doval. Et une des raisons qu'il a assassiné M. Doval, c'est pour opinion, c'est pour penser libre, et que la gourmet, et qu'on est avocat, c'est une attribution gagnée, c'est question liberté, mon bac à prendre la main, et c'est la loi qui conférait le. Donc, effectivement, nous, après, nous parler, nous discuter, justement, famille, on vient décider pour faire autrement, dans le sens que, ça ne va pas étirer le droit pour nous faire toute manifestation et commémorative, pour honorer Maître Doval, mais ils ont même décidé dans l'intimité, pour être capable de faire des funérailles. Et qui y a même encore pour protéger peinture, protéger restaurant milieu, et que nous pas qu'à faire obstacle à ça. C'est maintenant dimension, mettre devant lui un personnage, son personnage qui dépasse nous, parce que lui pas qu'à, c'est pas un monde simple, un monde ordinaire, c'est un monde qui marque la vie sociale pays, c'est un monde qui passe vie la former des générations, c'est un nadeo. Et M. Doval, il passe de présentation dans le pays. Et nous connaissons tout, il y a une raison qui fait nous réhonorer le coûte que coûte. C'est que avant de mourir, dans le jour même, la mourir, il a dit, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens au pays. Et je donne un sacrifice, ma vie, un sacrifice pour le pays. Et comme de fait, il a été sacrifié. Et nous dit, il faut honorer. Et il faut bien comprendre ça tout. Même s'il a fait funérailles. Et on sort de l'extrait. Donc, le fait nous dire, pas de problème, de façon restreinte, sur Feli. Mais nous-mêmes, il y a une possibilité pour nous faire de façon large. Et ceci dans toute juridiction, dans tout département, à la même heure, de 18 à 8h30, à bien un messe le tième, qui a fait pour M. Doval. Côté tout avocat dans le pays et même certains avocats de l'étranger, il y a possibilité pour eux rentrer et venir partager peines et douleurs avec nous pour rappeler qui nous met devant le pays et pour encourager avocats Port-au-Prince, avocats pays d'Haïti, pour qu'ils aient espoir et continuer à vivre et continuer à faire travail pour défendre la société. Parce que là, on prend un bâtonnier pour éliminer le con, ça la façon d'éliminer là. Je veux dire que tout le monde, tout avocat, c'est pour payer, il va avoir le droit de parler, il va avoir le droit de défendre, il va avoir le droit de défendre la liberté d'expression, il va avoir le droit de tout pour défendre le droit. Donc, nous disons, ça n'a pas qu'à passer, nous ne pouvons pas accepter, et sous quelle que soit forme, nous ne pouvons pas accepter. À moins que tu aies tout avocat net, et dans votre pays, ou bien, nous quittons ce travail, nous j'aime bien celle-là, parce que c'est la loi qui est bonne. Donc, le 18 a bien mis cela, dans toute juridiction, j'aime dire, a bien des cérémonies, qui a honoré M. Doval.
et puis jeudi 17 à Port-au-Prince dans le Suriname dans zone de l'écrit dans notre plan n'a recevoir tous les amis, tous les sympathisants et maître Dorvalio, tout avocat yo qui a venu saluer une autre, qui a venu encourager une autre, qui a venu rappeler mémoire maître Dorval une avec l'autre dans façon pour qu'a quitter l'allée et de façon honorable, mais en même temps tout pour nous continuer cette pression pour DCPJ à tout commissaire gouvernement mon qui responsable pour qu'a identifier auteur co-auteur et complice pour déférer au va devant la justice pour que justice soit faite. Venisouk et enquête là tout à l'heure n'a pas seulement rappelé que soirée hommage à Batoni il y a fait jeudi 17 septembre à 4h alors de 4h à 7h dans PM dans hôtel Ritz-Kinam qui dans rue Panaméricaine et yon messe de requiem après chanter vendredi 18 septembre à 8h30 dans l'église Saint-Pierre Pétionville et au Sodil même activité ça même messe il y a organisé dans 17 autres juridictions qui gagne en dedans à paysan mais sous question enquête là nous même dans niveau Batona nous gagne qui ça comme information comment la pas avancé. Jusqu'à présent, l'information que nous gagnons, c'est Mouni Okembe, il y a deux mouns. Nous connaissons, selon déclaration du commissaire gouvernement, il y a deux mouns clés, Okembe, et jusqu'à présent, il y a pour déférer devant la justice, mais Okembe toujours, et de CPJ a cherché l'information toujours, et il y a l'autre moun qui attendait toujours. Donc, il y a un avocat qui attendait, et parmi les avocats, moi-même, c'est le secrétaire de l'ordre. Je vais inviter nous tous pour attendre. Donc, nous n'avons pas de problème avec ça. Et bien, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous voulons collaborer pour permettre que l'enquête aboutisse et tout ça possible pour nous faire. Donc, pour aujourd'hui, nous n'avons pas trop d'autres informations. Peut-être que des commissaires gouvernement parler. Le commissaire gouvernement d'aujourd'hui, toujours parler, toujours pas d'informations. Mais, à part policiers qui étaient là, tout que le commissaire de mettre mandat et qui parle encore, qui relâche, et selon les dires du Premier ministre, qu'ils n'ont rien à voir avec. Donc, jusqu'à présent, c'est information ça n'y a rien. Et n'attend pour communiquer dans l'autre monde, ils ont arrêté et puis ils ont déféré par des ventes de droit. Au bail à Magic 9, on dit que DCPJ, enquêteur DCPJ, a subi pression. Bon, jusqu'à présent, tout le monde connaît que toujours des pressions qui ont exercé sur toute autorité qui a exercé enquête dans le pays. Ça. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans le cadre d'Oval seulement. Depuis dans plusieurs films, dans Jean-Dominique, après 20 ans, je t'ai dit qu'on a identifié tout le monde qui a commis le crime. Bien que gen moun ki gen soupçon, suspicion, etc., nous ne va jamais gagner, mais de façon définitive, il va dire qui est, et dossier jusqu'à présent, li pendant. Pour DCPJ, moi-même personnellement, je connais que, selon ça m'apprend, que gen des pressions qui exercent, et pressions qui sont hauts, et qui sont très hauts, comme on va dire, ou seulement, donc ça veut dire, nous connaissons pratiquement, que tu me le fais ça. Tout crime qui fait, oh Dieu qui fait, c'est toujours à battre le tout seul, pour l'auteur va jamais m'identifier, et comme ça, vous continuez à faire crime. On dit très haut, très haut, dans le niveau, dans quel secteur? Dans le niveau PIA, dans tout côté, dans tout secteur, dans le PIA en général. Donc, non, est-ce que c'est au niveau de l'État? Bon, DCP, c'est une instance de l'État. Donc, c'est l'État qui, bon, c'est l'État qui a l'État pression, donc, bagarre. Bakadou qui est personnellement, mais selon ça, qu'on aime bien comme information et de soucis, j'ai l'impression qu'il avait exercé. Ça me content parce que DCPJ jusqu'à date a cédé à pression. Et ça, c'est encourageant. Et moi, je dis merci DCPJ, monsieur Damien, bravo et continuez comme ça. Vous pensez que DCPJ a assez d'informations pour identifier auteur, co-auteur? Déjà? Depuis que tu as un téléphone, depuis effectivement que tu as un téléphone, mettre Dorval là, et puis tu as tracé tout appel, tu as fait tout ça, tu supposes faire de façon technique, tu connais et tu as besoin et tu as identifié, parce que bon, ça a l'air clair. Et il y a l'autre détail, tu as cherché, peut-être que tu as des soupçons sur le monde, tu as cherché, tu as rejoindre, ça a arrivé, mais ça nous certain, c'est que le CPJ, il y a assez d'expérience
pour l'île la mener enquête pour l'aboutir avec les mm-hmm. capacités ça tout mm-hmm. ça fait nous besoin que support l'autre ordre avocat qui à l'étranger toute l'autre institution internationale qui vient qui a coopéré dans le pays nous demander au support pour aider et courir et DCPJ dans ce sens de façon technique et pour capable gain assez pour bailler résultat enquête là et comme de fait nous pouvons se souvoir ça la briser. D'accord. Et nous est tout que au niveau Barouan, nous pas d'accord avec décision premier ministre là qui était passé l'ordre à commissaire gouvernement pour retourner sur madame Depol t'est fait contre cinq policiers. Bon, premier ministre il y a pouvoir, c'est dans un seul pouvoir qui est dans le pays actuellement, pouvoir exécutif. Donc et nous connaissons le commissaire gouvernement, c'est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Et voilà que le Premier ministre a décidé que pas gagner infraction. Il a décidé pas gagner Mounsa et pas gagner un rapport avec ce qui passait. Hein. Et me réitérer encore, et me dire avec toute conviction, hein. Et si le Premier ministre dit Mounsa n'est pas coupable, ou bien va gagner pour eux, ouais, ça ne va pas dire même personnellement. Parce que tant que la justice va prononcer son monde, il juge ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et que le Premier ministre lui-même pas même fait état de présomption d'innocence, il dit innocent. Donc ça veut dire que le premier ministre qui a fait un jugement. Et s'il fait un jugement libéré, M. Sao, c'est que lui-même connaît qui est-ce qui fait Zakio ou qui est-ce qui t'a soulevé. Parce que de toute façon, il connaît qui est-ce qui passe l'autre là. Et la police, c'est une institution hiérarchisée. Un policier va quand il décide de mettre son poste, on est clairé d'aller. Il dit bon, l'autre qui passe de l'autre côté, il y a un chef quand même qui est l'aile, ou un gros chef qui est l'aile, qui peut le déplacer. Donc, à moins que c'est ça, sinon. Nous tombons dans une catastrophe nette, nous avons même besoin de nos pays sans emploi si c'est comme ça va continuer à fonctionner. Et nous prenons le Premier ministre par aucun droit pour y appliquer pour une décision dans le sens décision judiciaire. Et ça a dérangeant, c'est vraiment dérangeant. Et nous avons demandé pour. Et après, nous sortir notre là pour nous dire que nous rappelons que nous avons besoin d'être dans l'imitié. Chaque monde est dans l'imitié jusqu'à ce que la justice prononce. Et décision judiciaire, ben là, c'est dit, tout le monde a. À accepter. Me songe, nous t'ai parlé de refus bon côté Baroua pour te accepter de hommage bon côté exécutif là, c'était ça moi exactement. Non. Bon, mais selon les résolutions qui ont été adoptées 31 août, nous songe que avocat ont dit dans point 4 dans la résolution, il prend distance, il décide de prendre distance. Avec tout apport ou bien support gouvernement de capoter dans le cadre et le moment de Val ou bien dans le cadre entre funérailles ou M. de Val. Mm-hmm. Et pour ça que justifier ça, nous disons que M. de Val, c'est un instrument aussi important, c'est un pelle aussi rare qui mérite d'être préservé et protégé et qui n'a pas pu bénéficier. De responsabilité ça que la police bien côté judiciaire là et qui la game de Doval comme ça non quartier résidentiel présidentiel côté président arrêté que mettre Doval rentrer la Carolina l'air tanni surveiller lieu tanni yo bien rangé tout bagage pour tuer la Carolina et qu'il y a gouvernement Brazil ba hommage à quoi cela va servir. Nous te dit l'Assemblée générale, c'est pas ma décision, c'est la décision de l'Assemblée générale qui dit que on prend toute distinction et va d'accord pour aucun rapprochement entre gouvernement ça le fait. Donc de toute façon gouvernement libre dit qu'il doit toujours faire ça le fait parce que au lendemain de la mort de Maître Doval, vous savez que le président de la République avait réuni la presse pour décider de 3 jours de deuil. Et en faveur de à la mémoire de M. Doval, nous on dit ça sans pas de contact avec personne, nous on a décidé le comme ça. Donc si on a fait le comme ça, on a libre de le pouvoir pour faire. Donc nous même tous nous libres pour nous capables de décisionner faire ça nous fait pour M. Doval sans nous avoir une présence sur aucune autre entité qui a vu nous déranger d'exprimer. D'accord. Eh bien merci un peu Chamètre. D'accord, je sais, merci. Merci un peu, le maître Robinson Pierre-Louis.
secrétaire Barreau d'avocat Port-au-Prince, également secrétaire général Fédération Barreau qui était en direct avec nous, qui eux-mêmes a continué ensemble activité que était prévoi pour vendredi, une messe qui a chanté 8h30 dans l'église Saint-Pierre Pétionville et qui a fait dans 17 autres juridictions qui gagnent yo et une soirée hommage a fait jeudi. Non, hôtel Ritz-Kinam. Oui, c'est une occasion funéraire et bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince, M. Montferrier d'Orval, qui prévoit fête vendredi 18 septembre, Cap Vinila. Et la bien pour fête dans pigre intimité. C'est ça, famille des faits annoncé. Dans une autre famille présentée, remerciement à tout Silayo qui était exprimé affection avec sympathie dans circonstance assassinat et maintenant, famille a profité pour annoncer tout le monde funéraire là à fête dans pigre intimité. Pendant, il fait qu'on ait été ouvert à tout le monde qui gagne intention, rend hommage à l'ancien président Barreau au Port-au-Prince. Toutefois, il a souligné, il a toujours été accroché à respect décision ça. Doué gagner une disposition qui prend pour poursuivre chef